za 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 On va se calmer. Alors on va changer de jeu. On va faire un petit cache-cache. Vous êtes d'accord? Ouais. Okay, ça. Allez vous cacher. Salut. Dis Marianne, on est un peu paniqué, il y a un élève qui a disparu, on ne sait pas trop quoi faire. Mais Jean-Claude, il a disparu quand? Il a disparu ben, où? Il y a un jour ou deux, en fait, oui, c'est il y a longtemps. Il y a un jour ou deux? Oui, c'est ça. Et c'est quand se manifeste ce jour maintenant? On n'en sait rien? Non, on n'en sait rien. Et l'école est impliquée? Ben, on ne sait pas, justement, donc c'est un peu embêtant. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Ben, il faudrait peut-être... étouffer pour la presse. Bon, bah alors il faut qu'on étouffe l'affaire. Oui, pour la presse, il faut en tout cas que la presse ne le sache pas. Oui, peut-être éliminer certains dossiers. Bon, bah alors on va aller cacher certains dossiers, mais c'est un élève qui... Il faudra quand même qu'on réfléchisse après à ce qu'on fait. Ouais. En attendant, on cache. Ouais. On cache. Là, je crois que là, c'est un rayon de tout vieux truc, là. Bah écoute, on pourrait peut-être le déposer ici. Ouais, là, c'est bien. Écoute, je le mets ici. Oui, d'accord. Attends, autant pis pour les clés, c'est pas grave. Écoute, je vais le mettre là, d'accord? Ouais. Ok? Ouais. On fait comme ça? On fait comme ça. Bon, allez, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Non, ni vu ni ça va? Allez, on y va. Calme en ces temps-ci. L'affaire du boucher de Jadon me touloupine.
bizarre, il y a un Nathanaël Dubois qui a disparu du jour au lendemain. Il est introuvable. Non, t'as raison, en effet, on a rien. Bon, on va l'interroger, s'il te plaît. Ouais, bonne idée. Ça va. Milan Darimont, 17 ans, retrouvé mort ici ce matin. D'après moi, c'est un égorgement. Et vous le connaissez, Stéphane ? C'est dur à voir vu son visage, mais je pense que vous devrez voir Madame Lanois. C'est mieux. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? On a quelques questions à vous poser. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur Nathanaël Dubois ? Nathanaël Dubois, vous me dites ? Oui, oui. Il apparaît nulle part, mais aussi dans notre pays. Je vais regarder. Non, en effet, je n'ai personne. J'ai plusieurs Dubois, mais pas de Nathanaël. Vous dissimulez quelque chose. Nous avons assez de preuves. Mais si vous voulez, nous pouvons aller voir vos archives. Allons voir. Bon, maintenant, fini de jouer. Où est ce dossier, madame ? Ben... je vais vous montrer, hein. C'est par là. Voilà, c'est ce dossier-ci. C'est pas clair tout ça. Non, mais il y a un truc qui cloche. C'est pas clair cette histoire. Cette dame nous cache quelque chose. Notre premier suspect est Stéphanie Guiche, 17 ans, gothique, considérée comme potentiellement dangereuse à la suite d'un test psychologique. Stéphanie Guiche, veuillez me suivre s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle Guiche. Sérieux, pourquoi vous êtes ici ? Je sais pas moi, sûrement rien avec la mort de l'autre con. Je vous rappelle que vous êtes considéré comme suspect ici, alors veillez à votre langage. Toi je t'emmerde, ça va, je peux savoir pourquoi vous me soupçonnez maintenant ? Déjà vous allez commencer par vous calmer, parce que dans votre dossier, on voit très bien que vous êtes notre suspect numéro 1. Ah ouais ? Vous êtes malade ou quoi ? Complètement con ! Bon, je pense que c'est bon. Ouais. Ouais. Oh, mademoiselle. Ciao. Notre suspect numéro 2 est Jennifer Le Craor. Elle semblait, d'après plusieurs témoignages, assez proche de Nathanaël Dubois, mais se moquait de lui sans cesse. Regarde sa gueule. Il est vraiment heureux. Avec sa fleur. Bon, mademoiselle, que pensez-vous du meurtre qui s'est déroulé il y a quelques jours ? Mais je sais pas, moi je m'en fous. Qu'est-ce que je fais ici ? Vous me soupçonnez de quelque chose ? Oh, du calme.
calme, hein. Si vous êtes là, c'est pour une autre histoire. Et Nathanaël Dubois, ça vous dit quelque chose? Oui, mais je vois pas pourquoi vous me parlez de lui. Enfin, c'est un fou. Il était amoureux de moi, mais il a disparu il y a quoi, des années maintenant. Il paraît que vous avez une relation avec Nathanaël. Ouais, mais rien du tout, hein. C'était n'importe quoi, c'était juste pour lui faire plaisir. Donc il avait des raisons de vous en vouloir? Oui, peut-être, j'imagine. Ok, une dernière question. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? C'était il y a 2 ans. Je crois que c'était en salle de fête. Ok, très bien, merci. Vous pouvez disposer. Venez avec moi. Il y a quelqu'un dans la salle des fêtes. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire aussi qu'il y a une fenêtre qui s'est cassée sous la scène. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben voilà. C'est quoi ça? Et il disait quoi? Il fallait qu'on arrête l'enquête, sinon il tuait tout le monde. Et on fait quoi maintenant? On continue l'enquête. D'accord.
Oh putain, c'est quoi cette merde? Sylvain, viens, putain! Merde, c'est quoi ce rendez-vous? Putain, mec. Les gars, venez voir Sylvain, tout, venez! Au secours, les gars, venez! Je crois que c'est un lien avec les morts d'avant. Non, j'espère que non. C'est quoi? Après son corner d'ex, on a entendu des bruits en dessous de cette salle de fête, et ensuite le concierge est mort sur scène. On a raté quelque chose dans la salle de fête. Assieds-toi! Écoute-moi bien, petit garçon de merde. Maintenant, on va parler homme à homme. Et tu vas parler. Je veux un avocat. T'en répètes ça? Je veux un avocat, je t'ai dit! T'as tué ma collègue, tu vas me couper? T'es supposé une plusieurs meurtres, mon gars. Regarde-moi quand je te parle. Chut.
Arrêtez. Ah. Vas-y. C'est Toto, il va à l'école. Ok, vas-y. Il y a sa prof qui lui dit compte jusqu'à 10. Puis il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Puis la prof, elle lui fait pourquoi t'as oublié le 9? Et puis il fait je l'ai mangé ce matin. Les œufs en fait. Le Isma. Non, continue sur moi. Avance. Va le chercher. Non, attends, j'étais pas prêt. Elle a bougé le petit peu les autres. Non, tu peux pas. Relativement, on va parler entre nous. Oh non, les gars, vous pouvez... Stéphanie Ish. Non, attends. Parce que je voyais pas où c'était. Stéphanie Ish, 17 ans. Gothique, considérée comme un potentiel... Non, j'arrête. C'est nul, je préfère... Déjà, vous avez commencé par vous calmer. Parce que dans votre dossier, on voit très bien que vous êtes notre suspect numéro 1. Ah ouais. C'est pas moi, ça, en fait. Allez, mais Arlan, mais t'es... En fait, c'est pas moi, ça. Hein. Mais... C'est pas moi du tout, ça, en fait. Du meurtre, mais j'en sais rien, moi je le connaissais pas. Enfin, vous me sucez le trou de là. 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 Give me your, give me your, give me your attention, baby. Brigand, on est dit la vie, gros, pendez-les, demi-tout. C'est pas grave, ça prend des. Bienvenue, viens dans